J'ai décidé quand même de passer mon diplôme. J'étais au collège technique. Il me restait 2 années pour passer mon diplôme. Et j'ai eu mon diplôme en 63. C'est à partir de là que j'ai décidé de quitter la Guinée. Donc, j'étais revenu à Cancan. À Cancan, je suis connu parce que ma famille est connue, tout ça. Il fallait que je trouve un autre moyen pour pouvoir sortir du pays, puisque on ne sortait pas du tout du pays. Et il y avait un voisin qui a fait toute son enfance avec moi, qu'on se connaissait, puisque nos familles se connaissaient aussi. Et ce type qui était un espion de Sékou Touré, qui s'appelait HK, son diminutif, était un inconditionnel de Sékou Touré, la milice, tout ça, et vraiment, c'était un homme terrible. Et moi, il avait déjà eu des problèmes avec moi. Pourquoi? Quand il y a eu l'indépendance, moi, j'étais quand même très, très aimé, entre guillemets, on me suivait, et j'avais formé un groupe. J'avais naïvement donné le nom de Attila, parce que le film Attila, j'avais donné le nom d'Attila à mon groupe. Et c'était des gens qui s'opposaient aux miliciens qui étaient formés par Sékou Touré et qui faisaient la répression, vraiment à Tankan, et aussi avec la complicité de HK. Et donc HK me connaissait très bien. Et quand je suis arrivé à Tankan et que je voulais partir, je me suis fait faire une carte d'identité en disant que j'étais apprenti mécanicien. Mais seulement HK venait tous les matins voir ceux qui avaient fait leur carte d'identité avant qu'on leur délivre la carte d'identité. Il disait, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et là, quand il a vu ma carte d'identité, il a dit, non, 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 non. Celui-là, je le connais très, très bien. C'est pas un apprenti mécanicien, c'est un étudiant, il veut fuir. Excuse-moi, tu avais besoin de la carte d'identité pour fuir? Oui, je voulais sortir à l'extérieur si je n'avais pas de papier. Comment je pouvais faire? Donc, à partir de là, il a dit, il faut l'arrêter. Quand je suis venu pour récupérer ma carte d'identité, la secrétaire, la policière qui était là-bas, me dit, mais elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a dit, mais c'est la carte d'identité qu'on a déchirée ce matin. Pourquoi déchirer ma carte d'identité? Elle dit, parce que vous n'êtes pas apprenti mécanicien. Vous êtes étudiant. Vous voulez fuir. Je dis, mais non, pas du tout. Elle me dit, HK, qui contrôle toutes les cartes d'identité et qui connaît tous les gens de Cancan, est venu et a dit qu'il fallait t'arrêter parce qu'elle vous tutoyait. Me dit, mais t'as une tête qui me plaît, je te mets en garde, laisse tomber cette histoire de carte d'identité parce que tu peux pas. Voilà, si tu veux partir, pars autrement, mais pas avec ta carte d'identité. Ce qui fait que moi j'avais un problème avec HK. HK qui était quand même un inconditionnel de Sékou Touré. Et moi je ne l'étais pas. Pourquoi? Parce que cela revient un peu loin. Quand Sékou Touré est venu en 55 à Cancan, sa première conférence pour être député a été donnée chez mon père. Et on a sorti la table qui était chez mon père, il est monté là-dessus. Il a fait sa conférence, comme je l'ai dit, et il a même voulu épouser ma grande sœur. Il a demandé à mon père s'il pouvait lui donner la main de ma grande sœur. Mon père n'a pas accepté. Et quand mon père l'a introduit, donc, chez le Rudi Cheikh Tantana du shérif, on lui a fait la bénédiction, tout ça, et qu'il soit devenu président, il est revenu à Cancan pour remercier les Cancanais d'avoir voté pour lui, tout ça. Et il y a eu une prière, c'était la prière normale à la mosquée de Cancan, la grande mosquée. Et ce qui est terrible, ils ont bloqué l'heure de la prière jusqu'à ce que Sékou Touré soit à la mosquée. C'était un mauvais départ déjà, parce que c'était plus l'heure de Dieu, c'était devenu l'heure de Sékou Touré. Alors quand Sékou Touré est venu et il a été placé juste à côté de mon père dans la mosquée, et il regarde mon père. Et il lui dit, ça va, vieux? Mon père lui dit, ça va. Ils font la prière.
Et puis, ça va. Et puis, il ne fait plus qu'à mon père. Il ne lui parle plus. Bon. Et il avait demandé auparavant sa fille en mariage. Il lui a rien dit. Elle est partie. Et après la prière, mon père est revenu et m'a dit, tu sais, ne fais jamais de politique. J'ai dit, mon père, pourquoi? Il m'a dit, voilà, c'est couturé, on était côte à côte à la mosquée. Il m'a à peine regardé et puis voilà. Et après la prière, je suis allé voir donc mon ami Cheikh Fatamat de Chérif, dont je suis à peu près le premier ministre. On a parlé de Sékou Touré. Parce que depuis l'indépendance, c'était la première fois qu'il venait à Cancan. Ils ont parlé, il a dit, c'est toi qui l'as introduit. Et on a fait la prière pour lui. On a béni. Et il est béni. Il sera président, on l'a dit. Mais il est président maintenant. La Guinée va connaître des heures sombres. On a béni. On ne peut plus revenir en arrière. Mais ce sera un président terrible pour la Guinée. Mon père m'avait dit ça. Ça m'était resté. Donc, quand j'ai voulu partir et que HK avait été dire que je n'étais pas mécanicien, que j'étais plutôt étudiant, qu'il fallait m'arrêter, et que grâce donc à cette secrétaire qui m'avait à la bonne, et qui m'a mis vraiment au courant de ce que HK faisait et que ceux qui m'attendaient, si je continuais à essayer de partir avec une carte d'identité, elle m'a dit, pars, mais ne prends pas de carte d'identité. Parce que tu vas attirer l'attention sur toi et ça ne sera pas bon. Et c'est en ce moment que j'ai décidé de partir en passant par le chemin de Nouméa pour aller vers la Côte d'Ivoire et puis venir jusqu'en France. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quelle était la situation générale du pays au moment où tu as décidé de quitter la Guinée? Ben, à un moment, j'avais dit que. Le grand cheikh Fatamat de Chérif avait dit que la Guinée va vivre des heures sombres. Et ça a été le cas, puisque après l'indépendance, les 5 premières années encore, ça allait. Et la France a fait des blocus autour de la Guinée, ce qui fait que plus rien ne marchait en Guinée. Les marchandises, ça venait que des pays de l'Est. Qu'on ne connaissait pas, puisque jusque-là, les paysans, tout ça, ne pouvaient pas différencier un russe. D'ailleurs, il y en a qui ont entendu parler des Russes pour la première fois de leur vie. Et on connaissait que peut-être les Anglais et les Français. Tout le reste, c'est le pays de l'Est, tous ces pays de l'Est, on ne connaissait pas la Roumanie et autres. Alors, ce qui fait que l'agriculture ne marchait plus. Rien ne marchait, ou en tout cas difficilement. Et c'était le parti-État. Parti-État, c'est-à-dire que le secrétaire général du parti était le président de la République. Et tout ce qui se passait dans le pays, c'était selon la volonté du parti. Alors, évidemment, ce qui fait que tout le monde était membre du parti. Et en ce moment, comme il y avait la récession, la pénurie, il y a eu des magasins d'État qui ont été créés comme dans les pays de l'Est. Et dans ces magasins d'État, c'était le rationnement comme après la Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe, surtout en France, où il y avait des tickets de rationnement. Et on avait ces tickets de rationnement aussi en Guinée, avec des tampons. Et ces magasins-là étaient alimentés soit par des denrées qui venaient des agriculteurs guinéens qui ne payaient plus d'impôts, comme on avait dit, mais ils payaient l'impôt qui était 10% de leur récolte. On appelait ça la dîme. Alors, ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, ces paysans, ils payaient l'impôt. Et l'État ne donnait pas forcément à tous les paysans des semences. Alors, eux, ils diminuaient leurs revenus. Ils voyaient leurs revenus diminuer, ce qui fait qu'ils se demandaient s'ils pouvaient rester. Et les fonctionnaires, le salaire avait été réduit, c'est tout à fait normal puisqu'il y avait la récession, il y avait la pénurie.
C'est après que le parti a créé la monnaie guinéenne. Et cette monnaie guinéenne était quand même avec peu de valeur par rapport aux pays environnants, le Sénégal, le Mali et autres, qui étaient restés dans le franc CFA, qui était une monnaie qui était d'abord en Guinée. Après la création de la monnaie guinéenne, on a enlevé tout le franc CFA. Et la Guinée avait du mal aussi à se procurer aussi des produits manufacturés ou autres, puisque notre monnaie n'était pas performante. Sauf l'État qui pouvait avoir des produits qui étaient des échanges d'ailleurs. C'est-à-dire que les produits manufacturés étaient échangés contre la bauxite guinéenne. Et ce qui fait que ces magasins d'État qui étaient alimentés par ces produits manufacturés étaient rationnés. Par exemple, quand vous étiez 5 personnes dans la famille, vous avez droit à 2 grosses boîtes de tomates concentrées, à 2 litres d'huile, à un sac de riz de 50 kilos. Pour 5 personnes, à peu près, quoi. Alors, ce qui fait que c'était une façon aussi de contrôler les gens. Puisque si, avec le ticket de rationnement, le nombre de personnes qu'il y avait chez toi, tu ne pouvais pas tricher. Et en même temps, les comités étaient érigés dans tout le pays. Et c'est le comité qui décidait de ce qui se passait dans la ville ou dans le village ou tout ça. Et c'était éparpillé partout. Donc, on avait une réunion 5 fois par semaine. Et ces réunions prenaient peut-être, ça commençait à 8 heures et se terminait à minuit. Vous vous rendez compte, 5 réunions par semaine de 8 heures à minuit, bon, c'était le lavage de cerveau. Ça commençait par la pensée du président de la République avant de commencer une réunion. Et c'est-à-dire, et tous ceux qui ne pouvaient plus avoir de quoi se nourrir étaient devenus aussi des membres de ce comité. Il y avait le secrétaire général, il y avait la jeune RDA, il y avait le. Ce qui fait que c'était tellement encadré que n'importe qui ne pouvait pas échapper, que personne ne pouvait échapper à cela. Et ça a créé aussi une penderie, puisque eux, quand ils ne pouvaient plus faire face à tout cela, et la France en a profité pour développer des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Alors, naturellement, qu'est-ce qui se passe quand il y avait la richesse d'un côté, les autres ont toujours tendance à partir vers cette richesse. Alors le pays a commencé à se vider, et même les fonctionnaires désertaient, et les paysans aussi, ils vendaient leurs revenus en dehors de la Guinée, ils passaient la frontière. Il y avait une usine, par exemple, de cigarettes en Guinée qui s'appelait cigarette, ça s'appelait le Milo. Mais toutes les productions de cette cigarette, parce que le tabac, on fournissait à la Guinée, les cigarettes là, les paquets de cigarettes étaient vendus en contrebande dans les pays limitrophes. Ce qui fait que le pays n'avait plus rien, quoi. Et à partir de ce moment, il y a eu la délation de partout, parce que c'est en Guinée qu'on disait que les murs avaient des oreilles. Même étant tout seul, on avait peur. On ne pouvait pas parler. Le fils n'avait plus confiance à son père. La femme ne faisait plus confiance en son mari. Le mari non plus. Alors, ce qui fait que nous étions dans une situation de délation totale dans le pays. Et malgré aussi la volonté du parti État pour remettre les choses sur rail, ça leur échappait. Et ce qui se passait, qu'il y a eu aussi des petits potentats. Nom du parti exerçait leur pouvoir sur les gens. N'importe qui pouvait arrêter n'importe qui, le mettre en prison, n'était pas jugé. Il y en a qui pouvaient faire 5 ans en prison sans commencer d'abord à savoir pourquoi il était en prison. Vous voyez la situation dans laquelle le pays vivait. Alors, ce qui fait, il y a eu des fuites et les gens commençaient à partir. Et il y a eu aussi les répressions, aussi aux frontières. C'est à ce moment que moi j'ai décidé aussi de partir.